Tu as un capital initial de 2000 euros et tu l'investis à 2,5% d'intérêt composé. Question, combien d'années dois-tu attendre pour que la somme soit doublée? Comme il s'agit d'intérêt composé, nous pouvons appliquer la formule correspondante. Notons d'abord tout ce qui est donné. On nous donne le capital de départ, 2000 euros. On nous donne aussi le petit p qui vaut 2,5 et on nous donne aussi le capital final, puisqu'on nous dit que ce capital de départ doit être doublé. Donc, le capital final est de 4000 euros. On nous demande combien d'années ça va durer, donc on demande le petit n. Si, dans cette formule, nous remplaçons Cn par 4000, C0 par 2000 et P par 2,5, alors nous arrivons à ce calcul-là, ce qui est une équation à inconnu n. Le 2000 qui multiplie à droite du signe d'égalité, on peut le mettre à gauche où il va diviser. Ici, entre parenthèses, nous avons 2,5 divisé par 100, ça fait 0,025 plus 1, ça fait 1,025. Ce 4000 sur 2000 se simplifie en 2 et ce qui reste à faire, c'est de résoudre cette équation qui est une équation exponentielle parce que l'inconnu n apparaît sous forme d'exposant. Pour résoudre une telle équation exponentielle, on peut appliquer le logarithme décimal des deux côtés et celui qui a une calculette sur laquelle il y a une touche séparée LOG pour le logarithme décimal, il peut appliquer ce logarithme. Mais sur notre calculette, pour appliquer le logarithme décimal, on devrait chaque fois introduire la base 10. C'est pourquoi, avec cette calculette, il est plus simple de calculer avec ce ln. Ça, c'est le logarithme népérien qui a exactement les mêmes propriétés que le logarithme décimal, notamment celle-là pour notre exercice. Le n qui est exposant peut passer devant le ln où il va multiplier. Donc ici, nous appliquons le logarithme népérien des deux côtés. Ainsi, nous avons cette égalité-là. L'exposant n peut passer devant le ln où il va multiplier. Et maintenant, il suffit de diviser par ce logarithme népérien de 1,025. Donc, comme ceci. Voilà le calcul qui reste à faire. Ça, on va le demander à la calculette. Donc, d'abord, barre de fraction. Ln de 2, nous fermons la parenthèse. Curseur vers le bas, ln de 1,025, fermons la parenthèse, égale, nous avons la réponse 28,071, réponse que nous reportons vers ici, et nous n'oublions pas d'exprimer ça en années. Il faudra donc attendre 28 années et un tout petit peu pour que ce capital soit doublé. Et l'exercice est terminé.